élections régionales. Et finalement, Hollande, il a eu raison de réduire le nombre de régions, il en a perdu moins. Alors après le premier tour, les titres de journaux, c'était « Vague bleue marine »,« Raz de marée »,« Tsunami ». Je me suis demandé si c'était des élections ou la route du Rhum. Et au deuxième tour, les blondes n'ont pas réussi à prendre racine, elles se sont fait balayer. Non mais c'est vrai, le Front National, aux élections, on croit toujours qu'ils vont arriver à quelque chose et au final, ils finissent derniers. On dirait la France à l'Eurovision. En fait, le problème des électeurs du FN, c'est qu'ils ont peur des barbus, mais ils croient encore au Père Noël. Non, c'est vrai, si t'écoutes le FN, si on vote pour eux, on sera heureux, on aura la sécurité, on aura l'emploi. À mon avis, on aura surtout des emplois dans la sécurité. Non, mais comment tu veux que Marine Le Pen, elle arrive à nous débarrasser de la crise, du chômage, du terrorisme, alors qu'elle arrive même pas à se débarrasser d'un vieux de 87 ans ? Alors les commentateurs, ils ont dit « Oui, faut comprendre, les électeurs du FN, ce sont des gens qui souffrent. » Attends, ce n'est pas une excuse, les électeurs des autres partis souffrent aussi. Vous croyez que c'est facile d'être républicain, de devoir choisir entre Juppé, Fillon et Sarkozy? Vous croyez qu'ils souffrent pas, les socialistes, quand ils voient un gouvernement de gauche faire une politique de droite d'une manière un peu gauche et pas très à droite? Alors pendant une semaine, les politiques, ils ont cherché à mobiliser les abstentionnistes. Je comprends pas. Comment ils peuvent être sûrs que les abstentionnistes, ils vont pas voter pareil que ceux qui ont déjà voté? Parce que s'ils votent pareil, ça change la quantité, ça change pas les proportions. Oh là là, dès qu'on élève un peu le débat, il y en a qui ont du mal. Et Nicolas Dupont-Aignan, il aurait bien aimé donner des consignes de vote à ses électeurs, mais il lui manquait une petite chose, des électeurs. Alors Manuel Valls, il a dit que si on votait FN, c'était l'assurance d'une guerre civile. La dernière fois, il nous avait parlé d'attentats chimiques. Je sais pas si c'est parce qu'il est d'origine d'Espagnol, mais en ce moment, il arrête pas de jouer des castagnettes. Hein. En tout cas, je trouve franchement que François Hollande, il a assuré pendant les événements dramatiques qu'on a traversés. Hollande qui se transforme en chef de guerre, mais c'est improbable. C'est comme si moi, d'un coup, je devenais sportif de haut niveau. C'est comme si Benzema recevait le prix Nobel de littérature. Moi, je trouve bien, c'est que Hollande, malgré les événements, il est resté calme, quoi. Calme, mais préoccupé. Alors que t'imagines Sarkozy dans les mêmes circonstances. Ah, moi, j'aurais eu peur qu'il appuie sur le bouton sans faire exprès, quoi. Que Hollande, tu vois, que le temps qu'il réfléchisse, qu'il y pense, qu'il appuie, tu vois, t'as de la marge, quoi. Alors, François Hollande, il a voulu faire une coordination contre l'État islamique. Et moi, j'ai vu que c'était mal barré quand je l'ai vu en rendez-vous avec Obama. Parce qu'Obama, tu sais, il s'est assis sur le fauteuil, il a ouvert sa veste, genre les hommes du président. Hollande a voulu faire pareil. Il s'est assis sur le fauteuil, il a ouvert sa veste, mais lui, il avait la cravate qui faisait comme ça. Puis alors, celui qui a une petite mine en ce moment, c'est Sarkozy, hein, au JT. Quand il nous a parlé de rhubarbe et de salade, il avait l'air dans les choux. Hein. Non, mais Sarkozy est très contesté avec sa stratégie du ni-ni. NKM, elle lui a dit nian, il faut dire oui ou non. Alors il l'a viré. N'empêche que si la droite peut dire nananananer, on a gagné, c'est parce que la gauche a dit non, non. Alors dire ni oui ni non en disant ni-ni, c'est prendre les gens pour des deux nœuds, oui ou non. C'était beau, la COP21. Des milliers de gens qui sont venus du monde entier en avion pour réfléchir comment lutter contre la pollution. Le premier jour de la COP21, c'était le bazar à Paris. Ils ont dit aux gens, faut pas prendre la voiture. Puis après, ils ont dit, faut pas prendre les transports en commun. Mais les gens, ils ont dit, comment on va bosser? Ils ont dit, essayez le télétravail. Ça marche pas pour tous les métiers, quoi. Je veux dire, t'es boulanger. C'est pas évident d'envoyer une baguette par mail. Hein. Non, mais c'est formidable, parce que 195 pays ont signé un accord pour dire qu'ils allaient se mettre d'accord pour décider comment réduire le réchauffement climatique d'ici 2020. Au rythme où ça va, les ours polaires ont intérêt à s'acheter la crème solaire. Alors, il paraît que dans l'accord, c'est pas écrit « nous devrons », mais c'est « nous devrions ». En fait, c'est pas du futur, c'est du conditionnel. Mais bon, moi, je trouve que c'est mieux un accord imparfait pour arriver à conjuguer l'avenir que des désaccords passés. Et le pauvre Bernard Tapie qui doit rendre 400 millions d'euros dans l'affaire Adidas. Oh. Eh, c'est la paire de baskets la plus chère de tous les temps. Hein. L'autre jour, Bernard Tapie il a donné une interview dans sa propriété de 4 hectares de Saint-Tropez pour dire qu'il était ruiné de chez ruiné. J'ai eu de la peine. J'ai fait un tapidon.
Sinon, le SMIC va augmenter de 0,6% en janvier. Mais là, c'est pas un coup de pouce, c'est un droit d'honneur. Hein. Le timbre aussi va augmenter. Il va passer à 80 centimes d'euros, mais le facteur va rester à 3 grammes. Non, non, en tout cas, franchement, je suis contente que l'année se termine. Parce que si on fait le bilan de 2015, on peut dire que c'est une année de... Une année de... Une année de merde, quoi. Ah, mais c'est vrai. Si on écrit un livre des meilleurs moments de 2015, il y aura juste la couverture. Heureusement, grâce à des artistes comme Patrick Bruel, populaire et intelligent, on oublie tout ça, pour chanter marre de cette année-là. Alors regarde un peu l'année qui arrive. Je vous souhaite, avec un peu d'avance, une année 2016 pleine de bonheur et surtout de douceur.